Et donc c'est tout le monde, c'est Farway, j'espère que vous allez bien, moi j'espère. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo très particulière. Aujourd'hui on est sur Minecraft, ah oui 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 on est sur Minecraft. Bon, cette vidéo est très particulière, aujourd'hui on se retrouve dans un serveur faction qui s'appelle Adaria. Adaria c'est un serveur faction, moi c'est celui que j'ai trouvé en premier sur internet, il est vraiment très intéressant. Il y a un système de vote, donc vous faites slash vote et vous pouvez avoir des votes de points pour voter le serveur. Vous faites vote, vous cliquez ici et après vous pouvez aller voter pour le serveur pour gagner des clés. Et les clés, vous les gagnez sur cette boîte. Et cette boîte va vous permettre d'avoir des items, des trucs un petit peu cool, tu vois. Et donc cette série Minecraft, bah le but ça va être qu'elle vous plaise. Ça va être un montage un petit peu à la Fuse en essayant qu'elle soit à peu près bien, qu'elle soit punch, tu vois. Je vais vous montrer directement tous mes homes et vous expliquer au fur et à mesure comment se déroule le serveur et vous verrez bien pendant ce temps. Donc on va faire le petit slash home, donc le slash home que j'ai. Et vous allez voir, c'est incroyable. Et voilà, donc ici c'est mon home, c'est un peu dégueulasse, je sais, il y a là, des trucs partout par terre. Et ici on a les zombards qu'on va tuer sans presser de tuer pour gagner de l'XP. Et voilà, donc ça c'est mes coffres. Bon, actuellement ça c'est pour la décoration de la base qu'il y aura à faire. Ça c'est parce que j'ai trouvé 1 milliard de spawners. Puis il y a des petits trucs comme ça, voilà. Vous voyez, mes coffres sont pas non plus ouf. Et on va se faire un petit slash FOM. Ok, bon, on est au FOM. Il y a Oroka qui est connecté. Et voilà, donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y en a dans les coffres. Voilà, je fais la petite visite. Voilà, on a ça pour l'instant. Le serveur vient d'ouvrir il y a pas longtemps, c'est pour ça que vous pouvez venir sans qu'il y ait trop de problèmes. Voilà, donc, je vais vous montrer un petit peu la base vite fait. Là-bas, il y a d'autres coffres. Voilà, donc ça, c'est la farm qu'on commence à construire. On fait tout en tour en obsidienne. Et là, bah, hop, il y a un petit système de spawner. Voilà, donc les spawners, ça spawn juste ici. Et après, là-bas, on a la grosse farm géante. Hop, vous voyez qu'elle commence à augmenter un petit peu. Hein. Ce que j'aime beaucoup sur ce serveur, c'est qu'il y a des systèmes de quêtes. Donc, c'est quoi les systèmes de quêtes? Vous allez tout simplement faire slash quête. Et dans le slash quête, vous avez un ensemble de quêtes que vous pouvez faire. Actuellement, je suis en train de faire les 4 autres, c'est-à-dire quêtes pour marcher. Et vous voyez, j'en suis à 17 000 sur 20 000. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a 20 000 pas et ça fait quoi en fait de gagner le défi? Ben, c'est super simple. Une fois que vous avez le défi, vous avez rempli une quête et vous avez donc une clé. Une clé qui va s'ouvrir juste ici. Voilà, donc de le truc de quête, on pourra ouvrir les quêtes. Vous avez également des métiers, donc c'est très simple. Pour les métiers, vous avez un petit PNJ juste ici. Vous allez taper dessus et vous avez des choses que vous pouvez acheter. Comment on a les métiers? On fait slash job. Slash job, waouh. Ici, moi, j'ai le job mineur. Donc, clic gauche pour les infos. Voilà, ici, vous avez toutes les infos qui sont apparues. Voilà, c'est incroyable. On est très bien. Bon, c'est la première vidéo, donc ça va être un petit peu chiant au début, je vous l'accorde. Mais c'est tout simplement pour vous apprendre un petit peu le serveur, vous montrer les petites bases et tout ça. Et après, on en fera une petite série qui va être sympatoche. Bon, pour ceux qui connaissent pas les commandes, il y a un slash fmap. Et le slash fmap, ça permet tout simplement de regarder s'il y a des zones claim autour. Oh, il y a Thibault le Lapineau. Il n'y a plus Thibault le Lapineau. Alors, regardez ça, les amis. Qu'est-ce que je trouve, là? Une petite base. Elle a pas du tout l'air d'être pillée. Oh non, non, elle est très belle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis, les bâtards? Salut, PK, tu as eu un home dans ma base. Cette base était censée être une ferme à blé et à plein d'autres trucs. Bref, merci de ne pas avoir pillé mon plus gros. C'est quoi ce truc de débile là? Il y a un sous-sol. Ok, on va au sous-sol. D'accord, bon. Puis là, il y a une petite cave à vin. Eh d'accord, c'est ici qu'il avait fait son petit champ. Regardez, on va le ravager. J'ai 4 secondes, on va pas le ravager. Alors, regardez, monsieur Lapineau. Il y a plus monsieur Lapineau. Ouh là 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 là, regardez ça les gens. Il y a 2 fucking grosses factions. Ok, parfait. Les 2 factions sont pas connectées, donc c'est nickel. On va pouvoir y aller tranquillou. Je vais juste me faire un petit peu de pierre les gens, parce que... What? D'accord. Ok, bah je n'ai pas d'explication logique à ça. Ok les gens, on est arrivé chez les Ironcraft, donc on va voir un petit peu. Bah écoutez, on va aller jeter un petit coup d'œil, hein, voir ce qu'il y a en dessous, et puis je vous retrouve juste après. Ok les mecs, donc là j'ai pas mal creusé, on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop, on se casse vite fait. Ok, nickel. Bon, ça m'arrange pas parce qu'il y a de la lave juste en dessous, donc du coup on va essayer de faire péter, mais sans trop faire de bruit. Hop, on va se cacher là. Et j'espère que la lave va pas nous foncer dessus, parce que j'entends la lave et... J'aime pas ça du tout. Ok, là, ça va péter. Hop, on se fout là. Et on va regarder vite fait. Ok, nickel. Y a... Ok, on approche bien de la base là. Ok, on s'éloigne un peu. Bon, on va juste vite fait se faire un petit canon à TNT, histoire de passer là. Aux F. Parce que j'aimerais bien pouvoir passer et... sans utiliser d'underpearl. Hop là. Est-ce que ça va être possible? Ça va péter! Attention, on regarde tout ça. Oh, il y a un mec de connecté. Ok, donc là, il y a 2 mecs de connecté.
Salut. Je suis un petit peu dégoûté là, j'ai pas d'underpearl. Ils auraient bien rush. J'ai pas d'underpearl, fais-moi un petit passage là, parce que ils sont un peu full gams tous là. Merde. Je sais pas trop quoi faire là, j'ai pas d'arc. Flash MG. Je sais pas que je veux pas mourir, mais... Ok, il y a mon pote ICP là. On va pouvoir bien faire de la merde. Ok, on va les niquer là. Ok, on va les niquer. C'est parti. Yes, moins un. Ça va pas de ça. Ok, nickel, on les a niqués. Prenne tout le stuff. On a fait un bon boulot là, franchement, je suis content. Je suis plutôt content là. Salut, ça va les mecs? Vous avez fait du bon boulot, hein. J'étais dans la merde, j'avais pas d'underpearl et tout. Par contre, c'est normal qu'on puisse pas les faire claim. Ouais, c'est normal, c'est parce que c'est claim en fait là. Bah, j'ai plein de TNT moi. Hein. Là, non mais pas besoin mec. What? Mais... Bah non mais les coffres tranquille, moi j'ai les TNT là, je viens de faire tout péter, j'ai tout péter aussi. Ah bah on a gagné, vous voyez les mecs, on a gagné le level 3 là. Bon, ce que j'ai dans la main c'est une clé de vote, c'est la clé de quête qu'on vient de gagner en faisant les 5000 pas, je sais plus combien, c'était les 20000 pas. On va voir ce qu'on a eu. 64 obsidienne, bon c'est pas dégueu, en soi c'est pas mal. Voilà, donc on a eu 64 d'obsidienne, c'est pas mal, après c'est pas ouf non plus. La truc de la quête. Comme vous avez dit tout à l'heure, ah par contre j'ai plus de briquet, hop. On va faire un maintenant. Je suis tout pété au-dessus, hein. Ah, rien de bien. Là, j'ai plus de TNT, moi, je peux plus faire péter. Hein. Mais ouais, c'est de la merde. Ou alors vous me passez encore un petit peu de TNT. Oh la merde, un œuf de creeper pour ça. Un œuf de creeper pour ça. Bon c'est pas grave, c'était quand même... Oh on s'est enfermé. Oh les cons. On s'est enfermé, les cons. En plus j'ai pas de home extérieur. Et en plus il y avait une autre faction à côté. À côté il y avait une autre base. Bon, finalement, on a pillé la faction. Là, maintenant, on se retrouve face à l'Erebor. Et vous allez voir, c'est du gros piège. Non, en fait, c'est une joke. Hein. Là, en fait, le piège, il est un petit peu dégueulasse. Et que tout le monde se casse. Hein, c'était vraiment nul. Donc, du coup, on va chercher d'autres factions à piller. Après ce piège épique qu'on a dû faire. Enfin, qu'on a pu faire, quoi. C'était vraiment pas mal. Même si le stuff était dégueulasse. On se retrouve tout de suite. Ok, et bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est déjà terminé pour la fin vidéo. Si cet épisode vous a plu, bah n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires et à liker. C'est tout le monde, c'était Faraway, bye.